Vous nous rejoignez aujourd'hui à Imola pour une nouvelle journée de Formule 1 qui s'annonce radieuse. Il est l'heure du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4,9 km et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Pérez, Charles Leclerc, et Russell, Gasly, Tsunoda, Zhou et Esteban Ocon. Mick Schumacher, Fernando Alonso, Valtteri Bottas et Magnussen. Stroll, Albon, Sebastian Vettel et Nicolas Latifi. Ricciardo et Lando Norris qui partent dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et si nous commencions par parler de Max Verstappen? J'ai été impressionné par sa performance en qualification, mais est-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent? Et c'est extrêmement serré aujourd'hui. Les premiers virages vont être cruciaux pour s'imposer, et les pilotes vont devoir gérer leur gomme s'ils veulent pouvoir se donner à fond dans les derniers tours. La cartographie de départ marche bien, mais tu dois passer chacune des vitesses pour voir. Il faut faire travailler les freins. Appuie un peu dessus et fais aussi chauffer les gommes, s'il te plaît. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. On rentre sur ce tour. Donne tout ce que tu as. Le fond plat a subi des dégâts critiques.
Vas-y, mets les gaz. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie.